Salut la team de Bouillard, donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les résultats que j'ai pu avoir avec le site Apple. Donc c'est des tout petits résultats, j'avais pas tout simplement le temps de travailler avec Apple, donc j'avais pas 2 heures ou 4 heures à consacrer au site. Mais je vais quand même vous montrer qu'il est possible de gagner de l'argent avec Apple. Dans une première partie, je vais vous représenter vite fait quoi le site et je vous montre les résultats que j'ai pu faire avec le site. Donc pour tous ceux qui n'auraient pas vu la première partie, allez voir la première partie où je présente intégralement le site. Et je présente en fait ce qu'il est possible de faire avec Apple. Donc une fois que vous serez inscrit, en fait, c'est comme ça, voilà, ça se présente comme ça. Vous allez dans tous les projets, vous recherchez tous les projets, vous mettez OK. Et en fait, une fois que tous les projets vont s'afficher, en fait, ce qu'il faudra faire, c'est chercher. Donc, regarder en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, après, vous avez plusieurs missions. Hein. Soit vous faites du mot-clé Google, soit vous allez sur les réseaux sociaux et vous assurez en fait la véracité des informations qu'il y a sur Facebook. Enfin, il y a un tas de missions. Il y a un tas de missions. Donc, je vous laisse découvrir ça. Et on va aller voir tout de suite en fait ce que j'ai pu faire sur les 4 derniers mois. Donc sur les 4 derniers mois, ben voilà, bon, comme je vous ai dit, ce n'est pas des résultats énormes. Donc j'ai réussi quand même à gagner 230$ sur le mois de mars. Donc voilà, sur le mois de mars, sur le mois de mai, j'ai réussi à faire 14€, enfin 13$. Sur le mois d'avril, j'ai réussi à faire 12,27$. Et sur le mois de février, j'ai réussi à faire à peu près 8$. Donc comme je vous ai dit, vraiment j'ai vraiment pas pu travailler avec Apple. Les seules fois où j'ai pu travailler, sur le mois de mars, j'ai réussi à faire 228€. Donc c'est parce que moi j'ai pas eu le temps. Mais si vous avez quelques heures à consacrer à Apple chaque semaine, vous voyez qu'il est possible quand même de gagner de l'argent. Imaginons que vous soyez en CDD, en CDI de 35 heures, vous avez largement le temps de travailler une dizaine d'heures en plus. Ou voir 5 heures, après tout dépend des missions, 5 heures en plus chaque semaine, et franchement ça va vous permettre de gagner de l'argent. Moi c'est vraiment par manque de temps que j'ai pas pu travailler tout simplement. Donc voilà, c'était une petite vidéo où je voulais vous montrer qu'il était possible de gagner de l'argent sur internet et de gagner de l'argent sur Apple. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de liker la vidéo. Je vous dis à bientôt.